Diverses personnalités qui mettaient tête ensemble en bas dénomination Grand Chantier Réconciliation Nationale Haïtienne organisaient une série de rencontres avec représentants plusieurs secteurs dans la vie nationale là pour discuter sous processus réconciliation en tout petit pays. Samedi 16 décembre 2023, c'était tout pas secteur la presse là. Échanges ont été déroulés sous le son Société a dû apprendre de l'autre nation qui rivait entamer processus réconciliation en toute petite lit. C'était occasion tout pour brasser l'idée sous quelques points importants qui doivent faire partie du processus réconciliation nationale. Là. Docteur Jean-Ville Moïlère, c'est une responsable initiative, ça a apporté plus de détails dans le micro TNH. Il y a un pile rencontre qui fait avec un pile secteur. Et journée aujourd'hui là n'a clôturé rencontre plénière que nous t'a capable dire que nous gagnons avec secteur média. Et gagne rencontre qui fait avec les patrons de médias, aujourd'hui n'a rencontré nous-mêmes qui journalistes qui a ramassé information dans la rue, qui a restitué bail population ça qu'a passé tout bon vrai. Et une n'a bagaille dans chita que nous t'ai fait avec toute et l'autre secteur yo reproché secteur presse là que li couper relation de confiance qui gagne qui t'a supposé exister entre la presse et population sous sa cap passé et yo même rivé accuser secteur presse là que le participer dans déconstruction nation ça nous t'ai pensé que li était nécessaire pour nous connait point de vue nous autres journalistes qui dans la rue de opinion ça que reste population a pensé de nous et comment nous capables participer dans un processus qui collait tout le monde ensemble pour construire l'autre pays. Là nous parler de réconciliation, différents secteurs ont pensé que pas de réconciliation sans justice. Justice là supposé tout réparation de monde qui victime yo. Monde qui fait mal, monde qui fait toute forme de crime, yo mérité effectivement pour rentrer dans un processus de justice transitionnelle, de justice réparative, qui est capable de permettre que yo reconnaître le crime que yo fait, mais en même temps tout, yo restituer et moun ki victime yo capable de réparer. Et c'est dans ça seulement que nous capable arriver à un vrai processus de réconciliation qui pas seulement chita sous crime de sang, sous crime direct, sous vol, sous fraude fiscale, etc., mais qui capable de reconnecter toute nation par rapport à la nécessité pour nous gagner un bon système de santé, pour nous gagner un bon système d'éducation, pour nous gagner une économie qui n'est pas basée sur monopole, mais qui est basée sur opportunité et qui baille jeunesse la possibilité pour lui projeter tête leader dans l'avenir et particulièrement pour nous toutes nous d'accord mettre tête nous ensemble pour nous construire un pays.